pour réveiller son corps, s'étirer et mobiliser les différentes articulations pour se sentir mieux dans son corps. Alors, je vous propose de vous mettre assis sur une chaise, mais pas dans le fond de la chaise. On essaye de se mettre un peu plus au bord. Les deux pieds sont bien posés à plat au sol. Et je relâche les épaules. On va d'abord commencer par pencher la tête. Je souffle en penchant la tête. Et je viens faire des demi-cercles. Je regarde d'un côté. Je reviens en bas. Et à gauche. La même chose. Ensuite, je reviens au centre et je vais relâcher la tête sur l'épaule en pensant à bien descendre les épaules le plus bas possible. On relâche bien, on souffle, on peut même fermer les yeux pour bien se concentrer sur les tensions qu'on essaye de relâcher. On le refait une fois et cette fois-ci, je peux pencher légèrement la tête en avant pour étirer la chaîne postérieure. Ou légèrement en arrière pour étirer la chaîne antérieure. Je redresse, on reste le temps dont on a besoin, bien sûr. Je relâche de l'autre côté et je penche la tête en avant. Légèrement en arrière pour sentir l'étirement. Ne pas trop forcer, bien sûr. Et je reviens au centre. Ensuite, j'inspire, je vais lever les deux bras. J'attrape un poignet. J'attrape le poignet et je viens me pencher légèrement pour étirer les côtes. J'inspire, je monte le plus haut possible et je souffle, je relâche. Encore un grand mouvement, j'attrape l'autre poignet. Je l'attrape et j'allonge le bras vers le haut. Je me penche de l'autre côté. Ici, vous devez sentir vraiment l'étirement au niveau de la cage thoracique. On revient et je relâche encore une fois de chaque côté. Inspire, j'attrape le poignet, j'allonge le plus haut possible et je me penche. Il ne faut pas aller trop bas, il faut juste sentir légèrement l'étirement. Je reviens et je souffle et la même chose. De l'autre côté, on va équilibrer. Inspire, je me penche légèrement. En soufflant, j'inspire en remontant et je souffle. Très bien. Alors, on va essayer de retirer les tensions au niveau des épaules. J'inspire, je lève les coudes le plus haut possible. Et je souffle, je descends les épaules. Je pense en même temps à allonger la nuque. Pas tirer la tête, mais juste allonger la nuque. Encore trois fois. Inspire. Souffle. Coude au corps. Et une dernière. La même chose devant. On monte les coudes le plus haut possible. Et je souffle. Inspirez en montant. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et souffler. Cette fois-ci, on vient faire tout le tour. Donc, je monte le plus haut possible, j'inspire, je ramène les coudes vers l'arrière et je descends coude au corps. Inspirez. Et soufflez. Vous allez sentir cette tension au niveau des épaules qui se relâche. Inspirez. Et soufflez. Encore une fois, inspirez. Et soufflez. Très bien. Ensuite, je ramène les coudes à l'horizontale et je viens essayer de ramener un coude devant l'autre sans bouger les hanches. Et je tourne. Encore une fois de chaque côté. Je ramène et cette fois-ci, je termine par un petit mouvement où je vais essayer de ramener les coudes l'un contre l'autre. Et je tire loin derrière. Devant. Devant, derrière, devant, et derrière, et je relâche. Voilà, vous allez sentir vraiment qu'au niveau des épaules et de la colonne, tout est bien délié, on est prêt à passer sa journée.
Ici, on va essayer de descendre un peu plus bas. Donc, je vais continuer sur des mobilisations au niveau des hanches. Alors, on va s'étirer toujours et on va essayer d'étirer la chaîne postérieure. On va prendre une chaise, on pose les mains dessus et alors on fait le petit pas en arrière, comme ceci, pour essayer de laisser tomber les épaules et allonger la colonne. Le bassin tire vers l'arrière et on se relâche. On relâche, on relâche, on relâche. On peut rester ici le temps qu'il faut pour se sentir plus détendu. Je viens faire le gros dos et j'avance en faisant des petits pas. Je déroule la colonne. Voilà, encore une fois. Je souffle en descendant, petit pas vers l'arrière. On pousse bien les fesses vers l'arrière. On relâche la poitrine, les épaules. On souffle bien. Et j'enroule, petit pas en avant. Voilà, très bien. On peut se... Ici, on va terminer juste par les pieds. Souvent, on me dit que la voûte plantaire, on a des crampes, ou on a les orteils qui se déforment. Ici, je vais vous proposer de venir étirer la voûte plantaire en mettant, en ramenant les orteils au sol et les écraser. On écrase. Je reviens, je vais le faire face à vous, ce sera peut-être plus facile. Écraser les orteils au sol. Écraser les orteils. N'hésitez pas s'il y a des soucis d'équilibre, d'écarter légèrement les pieds. Donc je viens écraser. Vous allez sentir vraiment au niveau des orteils et de la voûte plantaire que votre pied s'assouplit. Vous serez ensuite prêt à aller courir dans votre jardin. Bonjour, rebonjour. Alors cette fois-ci, je vous propose une vidéo qui va vous parler peut-être, ou pas, mais qui va parler de Power Moves. Les mouvements vont travailler avec le cerveau en connexion avec le corps. Donc on va parler d'une neuroprotection et d'une neuroconnexion. Donc, alors le premier mouvement que je vous propose, c'est le Power Up. Le Power Up, c'est un power où ici on va corriger la posture. Donc, premièrement, je viens m'asseoir en bord de chaise et je ne m'affale pas dans mon dossier. Donc, je m'assieds en bord de chaise, le dos bien droit, les pieds bien au sol, éventuellement les mains sur les cuisses si vous voulez. Et je vais me lever simplement. Donc, je vais utiliser mes bras devant, inspirer et souffler. En venant mettre les bras bien derrière. Je tends mes genoux à fond. Et j'essaye de contracter mes quadriceps. Et je reviens le plus lentement possible. Et je repars. Je reviens lentement. Et je me mets debout très vite. On y va. À souffler et encore une fois. Ok, alors vous voyez qu'on peut utiliser une chaise ou pas, donc on peut évidemment le faire sans chaise, ce qui donnerait ceci. J'inspire et je souffle. Alors moi je vous conseille de mettre la chaise par sécurité, c'est quand même plus prudent. Le deuxième, c'est le power twist. Donc, c'est ce qui va permettre de travailler la rotation du tronc. Donc ici, je vais venir ouvrir les bras le plus possible en inspirant et puis je tourne avec le tronc. Je viens taper dans l'autre main. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Toujours en gardant une belle posture. Je peux évidemment pousser dans mes jambes pour m'aider. Je pousse dans la jambe gauche. Je pousse
j'exagère ma respiration. Ok, très bien, ça c'est le power twist. Le troisième mouvement, c'est le power rock. Donc le power rock, c'est ce qui va permettre de déplacer le poids du corps d'un côté à l'autre et c'est ce qui va permettre également d'enchaîner sur la marche par la suite pour ceux qui ont des difficultés. Alors, ici on va travailler debout, on peut également travailler avec la chaise et je vais venir fléchir, étendre sur une jambe. Je fléchis, je tends. L'autre jambe, je viens pousser, je mets mon poids du corps d'un côté et de l'autre. Ça ressemble un peu au power up, sauf qu'ici on le fait sur une jambe. Dans un premier temps, on ne fait que les jambes, pour ceux qui connaissent. Et ensuite, on peut ajouter les bras. Je peux aussi m'asseoir si ça m'aide. Toujours en respirant. Regardez devant vous. Bien tendre la jambe. Et je peux également le faire sans décoller l'autre pied. Si j'ai peur de perdre l'équilibre, je garde une pointe au sol. Ok, power rock, c'est fait. Maintenant, le power step. Power step qui va consister à déplacer tout le corps d'un côté ou de l'autre. Ça consiste un petit peu, c'est comme quand vous entrez ou quand vous sortez d'une voiture. Je viens inspirer, souffler en rejoignant avec l'autre jambe. Je reviens et puis je repars de l'autre côté. Essayez de faire des grandes amplitudes. Exagérez vos mouvements. Cet exercice peut également se faire debout. Je vous montre. Et avec les bras également. Je change de direction. Et à chaque fois, je tourne avec le tronc. Alors, ce que je vous conseille, c'est de répéter ces exercices plusieurs fois par jour, faire des courtes répétitions, donc plus ou moins 10 répétitions par exercice que vous pouvez reproduire au cours de votre journée. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain numéro. Bonjour à tous, aujourd'hui voilà, nous allons faire des exercices sur l'équilibre. Et donc sur la proprioception, alors ce que vous allez avoir besoin, c'est d'une chaise, d'une table et des bics. Attention, c'est un exercice évolutif, donc il ne faut pas brûler les étapes. Alors du coup, ici nous avons notre chaise. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser avec le pied droit sur le sol. Je vais lever mon genou gauche. Attention de ne pas mettre le genou vers l'arrière ni sur le côté. On reste bien le genou relevé dans l'axe. Alors les deux mains sur la chaise pour commencer. Ensuite, vous enlevez la main droite. J'essaie de tenir 10 secondes, on y va ensemble et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, super. On remet la main droite, maintenant on enlève la main gauche et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je remets les deux mains. Si vous êtes à l'aise et si vous sentez de faire l'exercice sans les mains, mais vraiment, si vous vous sentez à l'aise avec cet exercice, ne pas vous mettre en danger, vous pouvez essayer d'enlever les deux mains. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on remet les mains. Parfait. Alors, une fois qu'on a fait le pied droit, on passe sur le pied gauche. Donc, je remets mon genou bien en hauteur, je reste dans l'axe, je mets mes deux mains sur la chaise.
J'essaie d'abord sans la main gauche. On y va tous ensemble, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je reviens. J'enlève ma main droite et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et si on se sent à l'aise, et seulement si on se sent à l'aise, on enlève les deux mains. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, l'évolution d'après, ça c'est donc l'évolution numéro 2. Je relève mon genou. Là, je n'enlève pas mes mains, je ne me mets pas en danger, je laisse juste ma main gauche sur la chaise, j'enlève ma main droite et par contre, je vais refaire la même chose avec les yeux fermés, 10 secondes. Je remets ma main droite, je refais la même chose, les yeux fermés, 10 secondes. Ça, c'est seulement si vous avez réussi à faire l'évolution numéro 1, d'accord? Il faut déjà que vous vous sentiez à l'aise avec déjà cette évolution-là avant de passer aux yeux fermés, d'accord? Voilà, alors maintenant, on va faire l'évolution numéro 3. Seulement et seulement si vous avez bien géré l'évolution numéro 1 et l'évolution numéro 2. Seulement si. Alors, dans ce cas-ci, nous avons besoin de notre table, notre bic. Et on va passer donc tous les exercices de l'équilibre statique. Donc ça, c'était l'évolution numéro 1 et l'évolution numéro 2. Et maintenant, l'évolution numéro 3, on passe à l'exercice d'équilibre dynamique. Donc, je vais me mettre de nouveau hop, sur ma jambe. Je vais prendre mon bic et je vais... passer donc dynamique, ça veut dire que je vais vraiment faire des exercices avec mes membres supérieurs, avec mes bras. Et je vais passer le bic d'un côté et puis d'un autre. Et hop, je recommence en faisant mon exercice. Ensuite, une fois que j'ai fait avec ma jambe gauche, je fais avec ma jambe droite, même chose. Je passe mes bics d'un côté et puis d'un autre. Et une fois que tout ça c'est fini, j'enlève une main, puis l'autre. Et je refais la même chose, hop, d'un côté, et puis d'un autre, et hop, je change de jambe, hop, avoir un bon appui, n'oublions pas, bien la jambe devant, je passe mon bic d'un côté, et puis d'un autre. Voilà, ça ce sont les trois évolutions. Je répète, et c'est surtout important pour votre sécurité, de ne pas aller trop vite. Si vous sentez que vous devez travailler l'évolution numéro 1, vous travaillez l'évolution numéro 1. Ensuite, au fur et à mesure, vous passez vers les exercices suivants. À bientôt, j'espère. Au revoir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance de stretching. On va commencer par le mollet. Donc, pour s'étirer, je place un pied devant, un pied derrière. Je suis bien face au dossier de ma chaise. Vous voyez que le talon est bien au sol. Je pousse les hanches légèrement vers l'avant. Et je sens que ça étire dans mon mollet arrière. On respire bien. On prend toujours plus ou moins 15 à 30 secondes pour rester dans la même position. Respirez bien. Détendez vos épaules. Très bien. On peut changer. Hop. Je change de jambe. Je reprends la même position. Hop. Bien le talon. Arrière au sol, je pousse les fesses vers l'avant, je me tiens bien droite, je regarde face à moi, je respire. Très bien, et je relâche. Pour continuer à étirer ici, la chaîne arrière. Plus le dos, plus les épaules, je l'apprécie beaucoup, c'est de 3 en 1. Je recule bien, je mets bien les fesses en arrière, j'inspire, je souffle et j'essaie de descendre le plus bas possible. J'essaie de garder le dos bien droit, j'ai des pieds bien parallèles. Je pousse les fesses vers l'arrière, j'ai les jambes ni fléchies, j'ai les jambes bien tendues. Je respire. Si vous sentez que ça étire, tout à l'arrière au niveau des jambes, ça étire haut, niveau du dos, le haut du dos et dans les épaules. On respire bien. Hop, je relâche, je fléchis les genoux et je me redresse en douceur.
J'avance ma chaise, je vais étirer ici au niveau de ma cuisse. Aujourd'hui, on est figé sur les membres inférieurs. Je vais modifier ma chaise. Hop. Voilà, je me mets sur le bord de la chaise. Vous voyez que j'ai une fesse dans le vide, j'ai le genou en dessous de ma hanche. Je vais étirer ici mon quadriceps. Je me tiens au dossier de la chaise. Je me tiens bien droite. Si ça ne tire pas, je peux légèrement me pencher vers l'arrière et vous sentez tout de suite une différence, ça tire davantage. Toujours bien respirer. Prenez le temps de vous étirer, le temps de votre muscle de s'étirer. Je relâche, je me tourne. Je me positionne, hop, je vérifie que mon genou soit en dessous de ma hanche, j'ai le dos bien droit, je me penche légèrement vers l'arrière, je respire, gardez le dos bien droit, encore faire un étirement ici au niveau de mon bas du dos. J'écarte bien les pieds, j'ai le dos bien droit, je vais enrouler, j'inspire, je rentre le menton, j'enroule la tête, j'enroule les épaules, je souffle, je souffle, je souffle, je descends le plus bas possible, bien bien tout enroulé, hop, je reviens mettre une main sur une cuisse, l'autre également, et je pousse sur mes mains, je déroule le dos tout en douceur. Hop, le milieu du dos, les épaules et doucement la nuque. Voilà, passez une bonne journée avec le membre inférieur bien étiré. Bonne journée à vous!